tout à l'heure, on se retrouve encore pour la suite de Ratchet & Clank. On va augmenter... peut-être le pixelisateur, ça serait pas mal. Oh, putain, en plus, on l'a quasiment à fond. Ça, ça sera fait. Voilà, ça, c'est fait. J'espère que vous allez bien. C'est quoi, ça? Ah, c'est pour se téléporter au hangar. Mais non, on s'en fout du hangar. On s'en fout, on veut continuer, nous. Voilà, et on est sur la salle du stabilisateur. Ranger, à vous. On est dans le noyau et on se dirige vers le stabilisateur de gravité. On ne devrait pas tarder à le désactiver. À mon avis, il va y avoir un combat de boss. Reçu, Ratchet. Je le sens, il est dans comme une zone, il y a un combat de boss. On attend ton signal. Ça marche. Faire attache automatique, on va pas se faire chier. Hein. Allez, ben c'est parti pour le combat. Allez. Tu nous as trahi, toi. Tu mérites à ce qu'on te casse la gueule. Tu nous as trahi, salaud. J'espère qu'il y aura de la vie. Alors maintenant on va utiliser lequel? On va utiliser ce... le Vatan Guerre. Bon, maintenant ça suffit, capitaine. Le docteur Nefarius veut à tout prix détruire le système. Oui, d'accord, il utilise les mêmes armes que nous, ce connard! Tu as gâché ma vie. Tu fatigues, on dirait. Où sont tes précieux nanotech maintenant, Mauviette? Ah, il me traite de Mauviette, salaud! Ratchet, tu dois frapper le gros vitron avec ta clé. Allez! D'accord. Bonjour à mon nouveau copain de Attendez! Allez hop, ça c'est fait. Attention. Ah, faut qu'on fasse gaffe. Ah, c'est cool quand même de l'affronter lui. Avec les pires méchants de la galaxie. Je ne peux plus faire machine arrière. Il va falloir que je te fasse disparaître et que je reprenne le cours de ma vie pour que les habitants de Solana m'aiment à nouveau. Aïe 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 aïe, est-ce que je peux récupérer de la vie là? Putain merde, faut que je récupère de la vie là. Faut que je récupère de la vie là. Ah putain, merde, je suis mort. Ah putain, mais, ah, et franchement, comme combat final, je vais pas rêver mieux. Ah, faut juste respecter son pattern, il est pas hyper compliqué à battre. Allez, faut le sauter dessus, faut attendre qu'il descende, voilà. Je n'ai plus rien à te dire. Tu as gâché ma vie. Non mais vous, vous l'avez gâché. T'as pas besoin de grand chose pour gâcher ta vie, toi. Ah oh, putain, quand je me suis loupé. Récupère quelques munes. Attention. Je
On va tirer comme ça. Ah, on lui enlève quand même pas mal quelques vies. Putain, si j'aurais dû sauter. Ça c'est fait. Tac. Oh, j'ai plus assez. Ah. Attention, qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré la tanguère. J'ai récupéré la tanguère. C'est pas très efficace. Putain, je vais crever. Oh putain, merde. Ah, oh, putain, il va être chaud. Il va être chaud à battre. Hein. Attends, c'est un combat de boss, c'est normal. Avec ça, un peu plus suffisamment. Putain, mais là, faut que j'esquive plus là. Ça, là, je suis pas trop mal. Un petit grouilleton, c'est cadeau. Bon, maintenant, ça suffit, capitaine. Aïe, hop. Le docteur Nefarius va tout grouilleton à la con. Je n'ai plus rien à te dire. Tu as gâché ma vie. Attention, là, j'aurais dû faire attention. Allez, bonjour à mon nouveau copain. Ah, putain, mais c'est chiant, ça. Et alors après c'est que le jeu donne pas de vie quoi, ça c'est chiant ça. Vous faites équipe avec les pires méchants de la galaxie. Je ne peux plus faire. Bon après en même temps ça, c'est normal, c'est un boss hein. Que je reprenne le cours de ma vie pour que les habitants de Solana m'aiment à nouveau. Allez, un petit là, ça serait bien là. Et je peux pas utiliser le Groovitron sur lui c'est... Voilà. Quand je t'aurai réduit à néant, j'aiderai les habitants à retrouver un foyer, un meilleur. Mais putain, mais... Ah putain, j'y étais presque. Oh putain, oh ce combat de boss. Quand il a envoyé sa bombe, là, faut que je saute. Allez, on va l'avoir. C'est pas juste, j'étais pas prêt. Un vrai d'avoir à faire ça. J'essaie juste d'agir dans l'intérêt de la galaxie.
Là, faut faire attention parce que là, on est vulnérable. Je n'ai plus rien à te dire. Tu as gâché ma vie. Allez, dis bonjour à mon nouveau copain, le Vatandaire. Ah putain, là j'ai fait le con là. Wow. On lui tire dessus mieux. C'est le pire en fait, c'est juste qu'il faut faire attention à son pattern en fait. Ah putain, c'est pas fait chier. On peut rester sur lui. Il va falloir que je te fasse disparaître et que je reprenne le cours de ma vie pour que les habitants de Solana m'aiment à nouveau. Et un petit bon bouton pour toi aussi. Allez hop. Ah putain, c'est. Un meilleur foyer, et je redeviendrai un héros dans le cœur. La galaxie ne vous remerciera jamais pour un acte aussi stupide. Mais bien sûr que si. Yuya. Bon, ben. On va affronter le boss final. Mais malheureusement, j'ai une étoile naine à détruire. On a un sérieux problème. Les Farios t'a complètement. Je crois que là, on est face à. Bon, je suis nous aussi. Ouais, on est contre le boss final là. On est contre le boss final. Ok, bon, mais ça va se jouer sur des rails. Ok, d'accord. Ce qui est pas mal, franchement, en tant que combat final. Alors faut l'attraper, c'est ça? Faut pas le taper? Là. J'ai roulé cet imbécile dans la farine. Côté. Et pour couronner le tout, je l'ai transformé en mouton. Ouais, c'est le fameux Drake, c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois, c'est qu'il l'a transformé en mouton, l'autre, le con. Là. L'autre, il l'a transformé en mouton, donc c'est le vrai méchant, c'est Nefarious en fait. Et c'est parti pour le combat. Supernova artificielle, je l'ai vécu quand moi j'étais en prison. Moi mieux pour se venger des Rangers galactiques que de détruire le système tout entier pendant qu'ils sont censés le protéger. Ah, je pense que là faut qu'il va en guerre parce que là sinon il... Je vais faire une petite démonstration réelle pour toi. C'est bon, je l'ai amélioré. Ça va, on a de la vie, c'est bien, le jeu est généreux. Bien sûr, une vie. Oh. Non, non, c'est impossible. Je ne peux pas perdre contre toi. Qu'est-ce qu'il me fait là? C'est le moment. Ah putain, faut prendre ça là. Ah, comment je fais? Cette machine, où est la touche redémarrée? Ah! Ah, je peux le taper là. Voilà. Où est-ce qu'on en était? On va dépenser un peu les choses. Oh le connard. Bah, je suis mort. Ah putain, j'aurais dû prendre le truc là, merde. Extraordinaire, n'est-ce pas?
Des supernovas artificielles. L'idée m'est venue quand moi j'étais en prison. Quoi de mieux pour se venger des rangers galactiques que de détruire le système tout entier? Ah, j'ai pu faire des dégâts. Le protéger. Non, c'est impossible. Allez, on va l'attaquer. Ah, je crois qu'il faut l'attaquer, faut lui sauter dessus. Ah, c'est la faute de taille. Aïe, là, il va se relever. Voilà. Où est-ce qu'on en était? On va dépenser un peu les choses. On va aller là-bas. Là-bas, bon, il y a quelques ennemis, mais bon, c'est pas grave. On va prendre cette arme. Ouais, mais enfin, en même temps, si tu m'envoies tes ennemis plus toi, on va pas y arriver, mec. Je suis sur le point de tuer tellement de gens que ce n'est même plus drôle. Est-ce que tu as vu mon séparateur à proton? Je vais faire une petite démonstration rien que pour toi. Et crève, toi. Putain, ils font chier, hein. Ah oh, putain, mais non mais, hé, c'est pas possible ça, normalement, hé. Non mais, attends, le mec, il utilise quand même ses collègues, quoi, enfin, je veux dire, à un moment donné... On va envoyer ça. De l'autre côté. Attends, par contre, je vais essayer de récupérer des munitions. Voilà, j'espère que ça ne se reproduira pas. On va dépenser un peu les choses. Ah, attends. Ah putain, allez, attention. Ah, le connard. Bah, il fait chier avec ça. Putain, mais j'arrive pas à esquiver. J'arrive pas à esquiver, c'est quoi ces conneries? Waouh, putain, quel boss fight de merde. Non mais là je l'ai esquivé là, arrête. Là, t'abuses. Le pouvoir de l'étoile mère. Oh mais je suis bon. Extraordinaire. Ok, bon mais c'est un boss fight de merde. Hein. Mais là normalement je l'esquive, hein, je sais pas, je devrais pas prendre de dégâts là-haut. Ah mais si tu veux pas l'esquiver, ça sert à rien. Tu vois, regarde, je peux pas l'esquiver. De l'étoile verte. Ah,
Tu résous tous les bugs avant de l'utiliser. Voilà. Où est-ce qu'on en était? On va dispenser un peu les choses. Ouais, ok, d'accord. C'est de vite va. Putain, mais eux ils font chier aussi, hein! Oh, j'ai tellement attendu ce moment! Ah, ça fait plus rien, ce connerie! Il y a un endroit où je peux choper de la vie parce que là c'est pas la peine. Putain mais sérieux quoi, mais tu te fais défoncer quoi, mais c'est un boss fight de merde. Ah non, mais c'est un boss fight de merde, hein. Attends, j'ai pas rien. Ah, il est pas évident, putain. Ah, la chiasse. Des supernovas artificielles. L'idée m'est venue quand je me dis ça en prison. Moins mieux pour se venger des rangers galactiques que de détruire le système tout entier pendant qu'ils sont censés le protéger. Ah, tu vois, et tu sautes, t'esquives, mais non. Je ne... Mais c'est chiant! Et tu sautes, t'esquives, mais tu t'en prends plein la gueule! Extraordinaire, n'est-ce pas? C'est horrible! Voilà, je sais ce que je vais faire. Ah, le pouvoir de l'étoile naine. C'est une machine. Où est la touche redémarrée? Enfin, on va pimenter un peu les choses. Eux, ils me font chier. Il est où l'autre plan? Il est bugué. Il a bugué. Il a bugué. Voyons un peu ce que tu dis de... Il y a les autres là-bas, putain, il y a les autres connards. Thank you.
Ah, le fils de pute! J'ai compris le truc. Putain mais non, mais ça c'est chiant ça. C'est pas marrant, c'est pas fun, c'est de la merde là. Putain mais quel boss de merde. On va récupérer un peu de vie là déjà. Je suis sur le point de tuer tellement de gens que ce n'est même plus drôle. En vrai, en mal. Je me demande ce que les gens diront des Rangers Galactiques quand ils auront laissé un système entier se faire détruire. Eh merde, putain. Ouh, mais que c'est chiant, c'est une merde. Allez, récupère la vie. Ah putain, c'est une chiant. Ah, j'y étais presque, hein. Oh non, plus.
tel salaud. Ah, c'est... Ah putain! Ah, salaud! Ah, le salaud! Ils me font chier. Putain, là, ouais, il faut aller là-bas. Je récupère de la vie, sinon je crève. C'est une galère. Non mais là, attendez, c'est une merde ce boss là. Tu peux qu'est-ce que tu peux rien faire, c'est hallucinant quoi. Tu peux rien faire. Regarde, putain, tu peux rien faire avec ce boss, c'est hallucinant, putain. C'est une merde ce boss. Il est impossible. Tu peux rien faire, après je sais pas comment il arrive à me target comme ça quoi. On bat les couilles de ton séparateur à la con. Là. On va essayer de récupérer de la vie parce que là sinon c'est pas mieux. Ah putain mais merde! Ah donc outil de merde là! Il fait ton truc là, faut pas chier. Je ne peux pas perdre contre toi! Une fois ça ne me bat! Pas maintenant, allez! Bon là on va essayer de lui envoyer de ça là. Voilà, j'espère que ça ne se reproduira pas. On va lui péter une plateforme, voilà. Il y a les connards. Putain. Non mais ça c'est chiant. Donc là, ceux-là, ils sont chiants à battre. Hein. Ne bouge pas, il sortira. Putain, mais... Oh shit, avec un boss aussi con quoi, sérieux! Le docteur est prêt, il s'est l'air de passer sur le billard.
à sec. Je vais raconter un truc. Ah putain, et je parle pas beaucoup, je suis désolé hein. Mais là on est sur un boss fight qui est hyper chiant et hyper long. Allez hop, on va aller là-bas. On va essayer d'aller récupérer le temps qu'il fasse le con là. Ah, c'est la foutre de drague tout ça. Je devrais plus te croquer. Non, mais y'a pas. Allez, j'ai plus de vie. Là-bas, y'a de la vie. Voilà. Où est-ce qu'on en était? Putain, mais non! Ah mais putain, mais il fait chier avec cette pute là de merde là. Putain, le boss de chiasse. Mais non, mais putain, mais on va pas t'envoyer des trucs de merde. Ah non, mais j'en ai marre de ce... Non mais il est impossible à battre ce boss. Tu peux rien faire. Y'a pas de... Ah putain! Allez, récupère la Mima! Non! Mais va te faire foutre! C'est pas vrai ça! Ah non mais putain! Mais lol quoi! Regardez, vas-y, je te tire dessus comme un débile, allez, lol! Il est impossible à battre! Tu peux rien faire! Et là, on dégage. On va
Il a. Va être détruit pendant ça. Je vais rajouter un petit putain de merde! C'est pas possible, ce jeu de merde là! J'espère que ça ne se reproduira pas. On va inventer un peu les choses. Je vais te découper en deux. Allez, ça y est, utilise ces bombes de merde là. Thank you.
besoin de ça, hein? Non mais putain, mais nique ta mère! Allez, putain! Mais c'est un truc de mongol, ce jeu! Et oui, j'ai crevé là, parce que bien sûr! Mais non, putain! Mais putain, mais sérieux, quoi! Non, mais il n'y a personne qui peut m'aider à détruire cette bite. Et cette personne-là, c'est Biscotte TV. C'est le seul et l'unique qui peut m'aider à le battre! Alors, c'est pas prévu. J'ai ragé, je l'avoue, j'ai ragé. J'ai arrêté un petit peu, et à la fin, j'ai dit bon. On va inviter Brice. Donc coucou à toi Brice. Bonjour. Voilà, il devait pas être invité. Mais j'ai dit merde, il faut qu'il mette parce que sinon je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver parce que j'ai besoin d'un soutien moral. J'ai besoin d'un soutien moral. Sinon j'y arriverai pas. J'y arriverai pas parce que ce boss, c'est de la bite. Ce boss il est horrible. Ah mais c'est là, il pue du fion hein. Ah, il est horrible. Ah ouais, non mais là, je l'ai récupéré de la ville. Non, t'es bien de trop bas. Je vais te découper en deux. C'est... La plateforme, elle est au-dessus. Elle est tout au-dessus, ouais, celle-là. C'est par là, faut juste que je récupère de la ville. Il faut que je récupère aussi la... un peu de jetpack. Parce que là, ça va. Mais après, il pue la bite. Il pue la bite, ce boss. Je pense à reprendre des mines. Ouais, mais là c'est vrai. Attends, je le lance missile, il serait pas plus puissant. Si, mais bon, je le garde un peu pour la fin. Ah. Sinon, ça pue de la merde. Je connais son pattern à ce connard. Et avant, j'avais affronté le commandant Quark. Qui. Bon, il est sympa, franchement, il est sympa. Franchement, il est sympa. J'ai bien aimé. Le traître. Qu'est-ce qu'il fait? Mais en vrai, c'est moins horrible que lui. Regarde, il pue la bite. Il sent la bite. C'est un connard. C'est un fils de pute. Ah, je veux te voir. Je veux te voir sur Jack 2. Non. C'est des choses de boss qui sont horribles. Si ça sent autant la merde que ça, non. Ah, en soi, quand tu connais la... J'avais oublié le discours. Ouais, non mais au moins ça s'est fait, au moins tant que tu casses pas les couilles. Ouais. Attends, on va envoyer la bombe.
Tiens, prends ça, tu sors de vite. Demande de l'aide, déjà. Ah oui, putain, j'avais oublié que j'avais la bite. Tiens, même sur con. Il pute leur la gueule. Même s'il peut pas, il a du mal, mais au moins ça un soutien, quoi. Monsieur Zurkan sans le bibi. Tiens, bah, j'ai invité la frite sur Rift Apart. Ouais, alors ça y est, bah, là, je me rends compte que plus ça va aller, plus je me retrouve dans la merde. J'approche la fin du jeu. Ah, t'es fou, toi. Arrête, mais c'est fou. Je sais pas comment ils ont fait ce boss. Je sais pas là, comment ils l'ont prévu. Et là, au moment où j'en suis, que j'ai arrêté le. Pour l'instant, le tournage, je suis à la prison. Si tu vois à peu près, je suis à la prison. Ouais. Je suis arrivé là. Et je pense que ça doit être l'avant-dernier endroit avant de battre le boss final. Le boss final, ouais. Bon, attention, le boss final, je sais qui c'est. C'est obligatoire que ce soit lui. Au vu de ce qui s'est passé dans le jeu. Ouais. Non, après, il est très bien. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jeu, mais ça pue la bite, quoi. Ça sent le zizi. Peut-être que... Ah non, ah non, pas cette chasse. Pas cette chasse. Pas ces bombes à la con, là. Ah. Ah ouais, non, mais ça, c'est la merde, hein. Ah, mais j'ai plus d'air. De merde. Je suis mort. J'avais plus de jetpack. Non mais n'empêche, pour ce buff où tu regardes ta jauge du jetpack, t'as les munitions. Il est horrible. T'as trop de trucs à gérer en même temps. Moi j'ai galéré, j'ai dû faire. Il est horrible. J'avais pété un plomb, moi je crois, la première fois quand je l'ai fait. Ah mais moi déjà, qu'est-ce qui s'est arrivé? J'ai tourné, alors j'ai tourné peut-être 15. J'ai dit putain, ça sent la fin, c'est vrai, on a fait le truc et tout. Bon, ouais, ça sent la fin. J'affronte Colonel Quartz. Ouais, je vois, ça va, putain, c'est pas mal. Je tombe là-dessus, ouais, allez, ça va être un boss fight, ça va être marrant. Mais non! Mais non! Il est con, fils de pute! C'est un fils de pute! C'est une salope! C'est AGSF! Et hop, c'est AGSF! C'est comme Edgy! Il a pas de charisme! Bon. Nique-lui sa gueule. Nique-lui sa mère. Nique-lui sa mère. Je crois que t'as fait le tableau. Ouais, mais là, je vais essayer d'aller récupérer. Attends. On va utiliser Monsieur Concon. Monsieur... Allez, vas-y, Monsieur Concon. Allez, Monsieur Concon, vas-y, pète-la la gueule. Mais il est où? Mais Monsieur Cancan, là! Il a des pop. Ah, le fils de ta mère. Fort. C'est bougé. Ouais, mais Monsieur Cancan, s'il te plaît. Du coup, t'as pas eu les cartes pour le tête. De quoi? Et les cartes, tu sais, les cartes à collecter, t'avais. Ah, je cartes. Pense que j'ai pas dû toutes les prendre, et je pense qu'à mon avis, vu comment est le boss, je vais lui dire au revoir. Je vais laisser le jeu dans la play, je vais dire au revoir. Je récupère les mines. Ah, mais tu vois, c'est ça, c'est de la chiasse. C'est nul. C'est nul. Ah, putain, il envoie des bombes et tout, il fait chier. Allez, maintenant, Ah là, il y a la ville. Non, allez, ça pue la bite, ça sent la merde. Non, tu crois quoi, petite bite. Mais bien sûr. Non,
Ne tire pas sur lui, ça sert à rien, il va se passer. Ah mais t'as vu quoi que c'est chiant. Ouais, quand il y a les autres connards là, qui sont juste à côté. Ah, et puis il y a les autres connards. J'espère que ça se reproduira pas. Je pense que le fait quand il est à terre comme ça, la prochaine fois, on va essayer de mettre le truc de disco là. Ah ouais. Mais là, ah, mais non. Alors maintenant, faut faire gaffe parce que il va voir. Tiens, vas-y, monsieur concours, vas-y. Allez. Sur coup, la tête est une maladie. Excellent. Allez, voilà, ça y est, ça pue là. Ça, c'est de la chiasse. Ça. Je m'en rappelle pas de ça. Ici, ça pue la bite. C'est chiant ça, tu vois, regarde, il fait chier. Chercher de la vue sur votre plateforme. Ouais, c'est ce que je vais faire. C'est tout faire. Allez, vas-y, dépêche-toi, allez. T'es en zone interne de la vie, c'est pas. Et reprends les mules. Après, je vous reprends. Te transformer en quelqu'un de fort, ça va pas te donner l'avantage. Hein. Non, je crois pas, non. Ça m'empêche, c'est bon, là, j'ai un peu plus. Ah, enfin, monsieur Cancan, là, tu pourrais peut-être te bouger un peu plus, le fion. Vas-y, le gros vitron. Ouais. Le gros vitron. Ah. Oui, j'ai le pacifiste. Allez, tu peux y arriver. T'es à 7%. Peut-être qu'avec le truc du disque, tu peux le... Et ben voilà. On vient de finir Ratchet & Clank PS4. Et bon, désolé pour les cinématiques, hein, vous avez pas pu les voir parce que ben, c'est pas au droit d'auteur, parce que c'est un film. Mais bon, voilà, Ratchet a réussi à prendre un téléporteur et à pouvoir se sauver. Et putain, quel boss de merde! Non, mais j'ai bien fait par contre, t'as vu? Mais j'ai bien fait! Ce qu'on a pas dit, c'est qu'il s'est fait le carjacker son vaisseau. Voilà! Et franchement, j'ai bien fait de t'inviter! C'est le méchant du début du jeu, Chivelix, prisonnier. Ouais. Et c'est lui qui l'a chouré. Oh non, mais. Par contre, putain, ce boss de merde! Oh putain, j'ai bien fait! En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vous ai tourné la session. Ouais? Ça me rappelle la première fois que j'ai fait le premier Ratchet & Clank. Quand j'ai vu que c'était Drake, le boss final, j'ai galéré comme jamais. Putain, mais comment je peux faire pour le passer et tout? Bah, la bonne technique, c'est que tu t'achètes le vendeur d'APL, là, le vendeur de munitions, et là, tu le fais aise avec le lance-roquette. Bah là, bon, là, le problème, c'est que Drake... Il y a un gros sac de boulons, parce que ça coûte le double avec l'APL. Ouais, au lieu de coûter 50 boulons la munition, c'est 100 boulons la munition. Ah, et chaud, ouais. Alors du coup, il faut 1000 boulons pour la recharger à chaque fois. Oh, je dis putain. Non, par contre, en vrai... Le boss de Ratchet & Clank 3 aussi, il est chaud. Non, mais là, celui-là, là, en fait, le problème, c'est que Drake, par Nefarious, il s'est fait transformer en mouton. Ah oui. Et c'est là, après, que justement, tu vois que c'est lui le vrai boss, quoi. Ouais, boss final. Non, mais c'est vraiment bien mené, franchement. Oui. Au début, je crois que c'était vraiment Drake, le boss final. Quand j'ai vu qu'il s'est fait transformer en mouton, je me suis mis MDR. Ah non, mais par contre, c'est une super licence. C'est une super licence. Moi, quand il va chercher le frère, là, de... Et là, ce que t'as vu comme Dr. Nefarious, ça, c'est sa première fois qu'on le voit. Ouais, c'est pas la même fois que dans Rift Apart. Ouais, bah...
Si tu veux apprendre plus sur l'histoire du Capitaine Quark et de Nefarious, il faudrait que tu fasses le 3. Parce que dans le 3, t'as les vidéos fun et ça reprend toute l'histoire des combats contre Quark et Nefarious. Et c'est à partir de là que Nefarious est devenu un robot. Voilà. D'accord. Mais bon. Je pense qu'il est un peu con dans Rift Apart, désolé, mais je trouve qu'il est un peu con quand même. Dans Rift Apart, non, mais t'es fou. Mais après, avec la voix de Jim Carrey, là... Voilà, ah, mais là, c'est l'empereur Nefarious. Ah oui, là, c'est top. T'as été mort de rire avec. Ah, là, t'es prêt à t'incliner devant l'empereur que devant le docteur Nefarious, quoi. Parce que l'empereur, il t'impose quand même un certain respect, quand même, parce que l'autre. T'as pas de respect du tout avant, c'est un con. C'est un con, c'est un con. Enfin, bref. Et dire que c'est un personnage aussi jouable dans All for One et Q Force. Que c'est deux jeux multijoueurs. Alors achetez quoi. Ah ouais. Ouais. Ça peut être pas mal. Moi je l'ai fait en solo parce que bah PS3. Parce qu'il y a plus de trucs. Je crois qu'il y a plus d'online sur PS3. Bah je crois que c'est peut-être certains jeux et encore. Mais je crois que ouais, le online sur PS3 c'est fini, je crois. Je crois que c'est terminé. Bon mais écoutez. Un putain de bon jeu, quoi. Bon, à part le boss final qui était qui était horrible. C'est ma licence préférée avec Jak and Daxter. Moi, je suis en train de calculer qu'est-ce qui va remplacer Ratchet & Clank parce que j'ai une manette. Enfin, je crois que c'est manette Switch. Mais je sais pas si elle fait pas manette Wii U. Je vais voir. Parce que je suis en train de calculer si je ferais pas un Zelda à côté. Mais lequel, j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout. Wind Waker. Ouais, mais Wind Waker, c'est ta Blondie qui va le faire. Ah. Et ouais. Après, voilà, la Princess, tu l'as déjà fait. Ouais, ou alors on peut partir sur... Ou au moins tu veux le remasteriser. Je sais pas, je vais voir. Wind Waker HD, il me tenterait pas, moi, tu vois. Il faut jouer, là, j'ai une manette, là, c'est une Battletron, là, mais je sais pas si elle serait compatible avec ma Wii U. C'est simple, on va aller voir ça. Sinon, il y a quoi d'autre? Skyward Sword, mais... Manette action. Ouais, sinon, t'as Ocarina of Time ou Majora's Mask. Est-ce qu'elle est possible? Switch, on va voir. Nintendo Switch. Est-ce qu'elle est compatible avec la Wii U? Je crois pas. Les connecteurs Bluetooth, ouais. Ou tout simplement faire Sonic Adventure 2. Oh, Sonic Adventure 2, ouais. Suitable for Nintendo. Eh, faut que je teste un truc. Il faut que je teste un truc pour voir si je peux le faire. Parce que si je la branche à la Wii U, et qu'elle marche. Au pire des cas, je suis Wind Waker HD. Il me tenterait pas mal. Il me tenterait vraiment pas mal, ouais. Wind Waker, ça, c'est HD, me tenterait pas mal. Après, il faut voir. Soit Wind Waker, soit après Sonic Adventure 2. Jak and Daxter. Jak and Daxter, aussi. Ou alors, un autre qui serait pas mal, si, mais il faudrait que j'arrive à le trouver. C'est... Sly Raccoon. Je pensais à Crash Bandicoot. Enfin, j'ai dit Bandicoot, ça serait pas mal. Même tu peux le faire sur la version PC aussi. Que t'as la Insane Trilogy. Ouais. Je vais tester, il faut que j'essaie la manette Battletron si elle peut être reconnue sur la. Si elle peut être reconnue sur la Wii U. Tu as débloqué votre défi. Merci. Tu as débloqué le musée Insania. Tu peux accéder au musée en utilisant le téléporteur. Merci. Et essayer de voir. Je vais essayer de voir parce que Wind Waker HD me tenterait pas mal. Me tenterait même de ouf. Faire Wind Waker, ça pourrait être pas mal. J'ai envie de faire un Zelda parce que. Bah, depuis. Si, après il y avait Skyward Sword. Mais. Excusez-moi. Mais depuis, j'ai pas refait un autre Zelda. Enfin, j'ai pas fini un autre Zelda depuis Twilight Princess. Donc il faut voir, ouais je vais voir, je vais réfléchir, je vais voir. On va tester. Alors que moi j'ai trois Zelda.
Il est fou, il est fou. Ouais, non, mais écoutez... je me compte plus bonus qu'autre chose. J'ai fini l'histoire. Mais écoutez, on va se laisser là. Parce que tu as un Kingdom, t'as déjà fait. Oh, mais j'ai pas vu ça dans le jeu. Enfin bon, mais écoute, on va se laisser là pour cet épisode 15, cet épisode final. Un grand merci à ceux qui ont été là pour attendez. Se laisser. Attends, je t'entends plus. Faut que je change de micro parce que j'ai un souci avec. Allô? Allô? Ouais, c'est bon, je t'entends. Allô? On va se laisser là. Un gros. Bon, pour entre guillemets, cette dernière partie, parce que ça sera dans l'épisode 15. Oui, j'ai invité Brice parce que c'est grâce à Brice qu'il a découvert cette licence. Incroyable. Ah, je la connaissais un peu, mais c'est surtout que j'ai eu envie de faire le Ratchet & Clank PS4. Mmh. Parce qu'à la base, je voulais faire le Rift Apart, mais vu qu'il savait que j'allais le faire, alors il s'est dit « Oh, je vais lancer la biscotte à faire Rift Apart. » Voilà, non, mais j'ai dit « Ouais, on va lui laisser. » J'ai dit « Si tu veux, quoi. Si t'as envie de faire Rift Apart, dès que je l'ai fini, tu le lances ton Let's Play. » Bon, comme tu veux. On peut faire ça. Allez, vendu. Bon, allez, je me manie à publier. Non, prends ton temps, t'inquiète, parce que si je fais un Wind Waker, j'en ai pas un petit moment, donc... Non, mais après, c'est pas forcément après Wind Waker, ça peut être après, je sais pas moi, Assassin's Creed. On peut faire ou ça, après... Ouais, je sais que Cash, va peut-être prendre encore des plombs. Ouais, Cash, quoi, je pense qu'à mon avis, on est assez loin. Faut que je tente Cash, moi. Non, mais fais le premier, putain. Ah, je veux trop le voir sur le premier. Il a pas de charisme. Avec envie. Putain, il faut que Eddie le fasse aussi. Oh, mais il a pas de charisme. C'est quoi ce niveau là? J'y arrive pas, les gars. Pourquoi ils sont comme ça là? J'ai eu en exclusivité son prochain let's play qu'il va faire sur sa chaîne après Assassin's Creed. Ah, ouh. Mais je te le dirai pas en vidéo, je te le dirai après. D'accord, pas de soucis. Écoutez les amis, on vous fait de gros bisous, c'était Kintaro, accompagné de Brice TV. Vous voulez voir plus de Ratchet, à ma chaîne. Voilà, si vous voulez voir du Ratchet Rift Apart, allez voir la biscotte. Allez lui faire un gros bisou. Allez lui faire des gros bisous. Allez, mais passez tous une bonne journée. Sobieski. Et Sobieski. Allez, ciao, le bisou chat. Ciao. Ciao.